Yo tout le monde, c'est Delmar et aujourd'hui on se retrouve finalement pour le vlog, le LAN qui va se passer à Baie-Saint-Paul. Donc il est 3h en ce moment si je regarde bien et on part à 6h le temps que la Sui revienne de son travail et par la suite on file directement à Québec, aller chercher Doux Québec et par la suite Scoot Gamer qui a en sa possession une caisse de 60 canettes Budweiser, donc c'est pas rien, on va se diviser ça en 3, donc 20 canettes chaque. La Sui boit pas de bière par contre, lui il va aller plus dans les espèces de jus avec de l'alcool fort, de la vodka, du rhum ou je sais pas quoi, parce que je sais pas qu'est-ce qu'il va prendre, mais lui il prend pas de bière, il aime pas le goût de la bière. Donc, ben ça en fait plus pour nous, ok? Et après, ben c'est ça, on va aller les chercher et on va filer après ça vers Baie-Saint-Paul. Avant, on va aller magasiner quelques petits trucs, ok? Des ramen, de la fondue chinoise, des trucs comme ça. Plein de petits trucs qu'on va vous montrer au fur et à mesure de la journée. De la soirée, parce qu'on part à 6h quand même. Donc, comme vous voyez, moi je dois aller prendre ma douche, je suis en pyjama encore, j'ai les cheveux tout mal, vraiment très très mal foutu, avec la barbe qui est même pas rasée, absolument rien, ok? Donc, on va essayer d'aller arranger ça directement dans la salle de bain. Je vais pas vous amener avec moi, par contre. Mon linge est au lavage, donc il me reste presque plus rien à mettre. Donc, avant ça, ok, avant que j'aille me laver et tout, on va aller faire le ménage de ma voiture. Et je ne sais même pas qu'est-ce qu'il y a dans la valise. Je sais qu'il y a beaucoup de trucs, mais je sais pas c'est quoi. Et vous allez venir avec moi. Allez. Sérieusement, j'ai hâte de voir, donc je vais aller voir avec vous. On part quand même 3 jours, donc on a du stock à amener, dont le PC à Doux Québec, qui va prendre quand même un petit peu de place, je pense, dans la valise, même si j'ai une grande valise. Mais on va aller découvrir ça ensemble. Si, je trouve mes clés, bien évidemment. Où est-ce que sont mes clés, bordel? Donc, ben voilà ma voiture, guys. Ceux qui se demandent, ah ben ma voiture ressemblait à quoi? Donc, ce beau Pontiac G5, voilà, voilà. Ben beau, commence à être un peu vieux, là, mais bon, ça va quand même. Donc, nous allons ouvrir la valise, découvrir ça ensemble. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ça me stresse un peu, je vais pas vous avouer, mais... en plus, c'est gelé. Ah! Putain de merde! Le mec va casser sa clé, guys. Ah, putain! Non, mais c'est sérieux. C'est vraiment... Allez, on va pousser ensemble, OK? Yeah! Ah, tabarnak, je peux quand même ouvrir la valise! Je sais pas si j'ai une commande, en fait, dans ma voiture. On va aller voir ensemble. Ah non, mais sérieusement. Parce qu'il n'y a pas de commande là-dedans, là. Genre le truc là pour la valise, en bas à gauche. Mais il n'y a rien pour... Ah non, il a ici le capot. Putain, je viens de le voir. Voilà, je sais pas si ça va marcher. On va aller voir, OK? On va reprendre la clé, bien évidemment. OK, guys, on a vraiment un problème parce que ma valise est vraiment gelée, OK? Donc, ce qui va se passer, c'est que j'ai rempli la chaudière d'eau chaude et j'aurai tout simplement pas le choix, OK, d'aller foutre ça sur ma valise parce que, eh bien, la valise est gelée. Donc, on va aller faire ça parce que c'est vraiment... Ah, de la merde, putain! On n'aura pas le choix d'aller verser ça sur ma valise, OK? Donc la petite chaudière, bien évidemment. J'arrive pas à croire que ma valise est gelée, OK? Ça brûle, ça fait de la boucane. Bon, si je réussis pas, par contre, là, je sais pas quoi faire. C'est le moment de vérité. Est-ce que je vais réussir à ouvrir ma valise? Square au banquier. Oh, ça fonctionne! Wouhou! Bon, allez, je vais vous éclaircir ça, là. Dame! OK. Ouais. Donc, je dois vider tout ça, guys. OK, guys! Tous les préparatifs sont terminés. Donc, je suis... Voilà, ça fait du bien. Je me suis rasé, je me suis pas coupé les cheveux. Par contre, c'est quelque chose que je voulais peut-être faire avant. Mais bon, regarde, c'est pas fait. Il est 4h35. On part dans 1h25. Donc, j'ai vraiment hâte de partir. Il commence même à faire noir dehors. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Ou si ça va être un petit peu trop noir. Mais en tout cas, vous allez voir un peu. Là, donc, il fait un petit peu noir dehors. Je vais faire un petit peu le focus là. Donc il commence à faire noir, ok déjà, il est 4h30 et Mimine adore. C'est Mimine. Elle a eu une très dure journée, hein. Oh pauvre Mimine. La journée était difficile, hein. Ben oui, pauvre Mimine. Elle est assez spéciale comme personne. T'as-tu sorti mon... J'ai rien sorti, j'ai rien touché. Ah ben mes culottes. Oui, j'ai lavé tes culottes. Voilà tout le monde, j'ai lavé les culottes. J'ai lavé les culottes. On est ok un peu en retard parce que ben... Comme ça, ils ont acheté un putain de... Ils ont acheté une voiture de l'année, ok? Ils ont acheté une voiture... C'est quoi? Quelle voiture vous avez acheté? Ok, ils ont acheté une Toyota Corolla 2018, là, à soir, ok? Fait que là, il est 6h45, on était censé partir à 6h, mais on va partir un petit peu plus en retard parce que, ben, ils ont acheté une putain de voiture, donc il y avait des papiers à signer. Je m'attendais pas à ça à soir, t'es une nouvelle Toyota 2018 dans le cours, mais bon. Mais voilà, c'est ça qui est ça.
Les culottes sont pas secs parce que Billy sait pas comment faire le lavage. C'est pas de ma faute. Mais ouais, ça sont tout 30. Touche. Mais non, j'ai dit. Ben là, j'ai des gants. Ok, ben. Excuse-moi. Là. Les portes remouillées. Ça, c'est ta manette. Ouais, ça, c'est ta manette. Donc, tu vas pas la mettre dans ton sac. Ok, Mémine aussi qui est apparue dans le vlog un matin. Et j'ai retrouvé ça dans mon char. C'est glacé. Il n'y a pas dégelé.